Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà pour commencer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors comme vous pouvez le voir sur la miniature, je vais vous présenter mon petit robot, mon petit baby. Parce que je le kiffe. Bon, je vous avoue que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais pour ce que j'en ai fait, et eh ben franchement, j'en suis satisfaite. Donc pour savoir ce que j'ai fait des bad boots. Bad boots, c'est des petits pains. Je les ai fait en mini. Donc du coup, si vous voulez que je vous fasse la recette et en même temps, je vous montre comment... Bon, vous savez comment ça fonctionne un robot, mais peut-être pas cette marque-là. Ah, bah, vous me dites en commentaire. Je vous montrerai les bad boots de façon Amel. Alors, on va arrêter de bavarder et je vais vous faire le déballage sans carton, bien sûr, vu que le carton, ça fait belle lurette que je l'ai jeté. Donc c'est un déballage sans être un déballage. Hein. C'est un... Voilà, c'est un robot. Alors pour commencer, on a donc c'est de la marque Continental Edison. Donc moi personnellement, cette marque je la connais super bien. J'ai l'aspirateur, j'ai le pèse-personne et j'ai la balance électrique pour les aliments. Et puis maintenant j'ai mon petit bébé là. Et franchement, je vous dis la vérité, je suis très contente de cette marque. Je n'ai jamais eu de problème. Tout fonctionne. Franchement, rien à dire. Donc j'espère que ça va continuer avec lui et qu'il marchera longtemps. Alors pour ça, on a les vitesses. Donc c'est pas manuel, c'est avec des boutons. Donc on a vitesse 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le bouton off pour éteindre. Alors, on va ouvrir. Donc là, on a le petit socle de protection. Voilà, donc là, vous avez l'ouverture pour pouvoir verser l'eau, la farine, le beurre fondu, ce que vous voulez. Là, on a un bol. Hop, j'essaie de le montrer comme ça parce que sinon, on va me voir. Voilà, il est assez profond. C'est un 5 litres. Hop là. Franchement, il prend beaucoup, hein. Franchement, j'ai... Waouh, c'est super. Ensuite, on a les accessoires qui vont avec. Voilà. On a le fouet pour pétrir, pour la pâte. Voilà, on a les trois. On va faire un petit test rapide. On va dire ça. Donc du coup, je referme. Hop, vous allez voir, voilà, vitesse 1, 2, et ainsi de suite. Je vais vous épargner le bruit. Et franchement, je suis agréablement surprise parce qu'il ne fait pas trop de bruit. Donc ça, déjà, c'est génial. Franchement, il est... Franchement, il fait pas de bruit. Voilà. Ensuite, ben, vous avez vu hein, qu'il est de couleur noire. J'aime cette couleur, hein, moi j'aime bien. Mais par contre, les traces de doigts, de poussière et tout, par contre, ça c'est horrible. Ça prend tout au fait. Mais bon, un petit coup de lingette et voilà, ça part quoi. Ensuite, donc je vous ai montré le fouet, bon ça vous connaissez. Ensuite on a pour, donc on enlève le dessus, ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On enlève ici. C'est pour le blender. Et on a le verre. Voilà. Comme ça. Il est lourd, hein. Il est en verre. On va venir juste le placer. Hop là. Si j'y arrive. Pourquoi je ne pas. Comme par hasard, oh là là. Voilà. On va venir le placer comme ça. Attendez, je vais essayer de monter la caméra. Donc voilà, j'ai monté la caméra. Donc là, on a, je sais pas si vous allez voir là, le petit chichou là. Hop. Vous voyez, il y a du caoutchouc là. Franchement, c'est super bien. Comment on dit? Bah, super bien sécurisé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc franchement, il est nickel. Et pareil, on le fait marcher avec le bouton 1. Ah, il n'est pas enclenché là. 1. Non, on met P. Bah, pourquoi il marche pas? Peut-être parce qu'il n'y a rien dedans. Donc voilà, là on a
Le petit truc, il est en verre, il est super lourd, donc franchement, il faut faire attention de ne pas le casser. Bah, franchement, il tient jusqu'à, il y a marqué 15 là, et 1200, 1500. 6 cups, 5 cups, 4 cups. 1500 ml, oh purée, moi je suis pas réveillée. Donc voilà, on a le petit cache pour quand on s'en sert plus. C'est bien pratique pour faire des petits smoothies, des petits jus et tout ça. Et on va passer tout de suite au hachoir. Alors là, on arrive au hachoir, donc c'est juste devant. Oh, il faut enlever le chichou là. Ensuite, on a ça. Voilà pour hacher là. On va venir le fixer. Comme ça, peut-être mon mari, il a réussi à le faire. Il faut de la force. Attends, quelque chose, pas n'importe quoi. Voilà, comme ça. Voilà. Il y a un truc dedans. Bon, bref. On met ça comme ça. Et comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et là, vous mettez votre viande. Et là, ça sort. Sur là, ça sort là. Mon Dieu, je sais pas expliquer, c'est un truc de fou. Donc voici voilà, ça veut rien dire. Ah oui, on a aussi ça, donc pour faire passer la viande là. Voilà, j'imite bien la machine. Et ensuite, pour dire que c'est encore dans les. Donc vous avez plusieurs ustensiles. Voilà, il y a des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. J'ai même pas encore bien lu la notice. Je sais que ça, c'est pour le hachoir. Ici, vous avez différents plus petits, moyens et gros. Ça, je sais que c'est pour le hachoir. Avec ça aussi, je pense, pour le chichou, là. Et ensuite, il y a... Hop là, que je fasse pas de bêtises. Des petits ustensiles pour les pâtes. Voilà. Faire différentes pâtes, ça c'est pas mal. Par contre, je testerai. C'est pareil, hein, faut le mettre. Je pense que c'est ici. Donc on dévisse. Franchement, il est complet. Voilà, vous voyez, il y a la petite hélice là. Je sais même pas s'il faut l'enlever ça avec ça. Et après, je pense que c'est comme ça. Non, je pense qu'il faut l'enlever. Hop là, quand on veut utiliser ça, il faut l'enlever. Voilà. Et là, on referme. Faudrait que je teste des pâtes. Voilà. Et vous avez plusieurs embouts. Comme d'habitude, mes vidéos, elles font qu'une tête. Je sais même pas parler. Je sais même pas expliquer. Donc, vous avez des petits trous. Des trous avec des petites formes comme ça. Vous avez ça, là. Pour faire des pâtes rigolotes, je crois. Ça, c'est pour faire des tagliatelles, peut-être. Peut-être c'est ça, les tagliatelles. Non, c'est petit pour... Non, ouais, peut-être c'est ça. Je sais pas. Et ça, c'est pour faire je sais pas. Ah, ça c'est peut-être faire les cannelloni. Peut-être, je sais pas. Ah, je vous ai dit que peut-être, je sais pas. Je testerai, je vous dirai. Donc je vais tout remettre à sa place. Donc voilà ma petite machine. Je vous avoue que j'ai testé que le robot. Comme je vous ai dit une seule fois, je ne vais pas tester le reste. Mais dès que je testerai, je vous en ferai part. Donc voilà, donc il est livré aussi avec un petit carnet comme ça, où il y a les explications. Voilà, vous voyez, j'ai un carnet, accessoires. Ah, il y a les accessoires à saucisses, accessoires à pâtes. C'est lesquels les accessoires à saucisses? Viande à hachoir, vous voyez, je la prends avec vous. Il y a le blender. Voilà, en fait, tout est expliqué à l'intérieur. Hein. Donc, il est en plusieurs langues, je crois, deux, trois langues. Donc voilà, les amis. Franchement, je vous avoue que je ne suis vraiment, mais vraiment pas déçue de mon robot. Et si vous hésitez à en acheter un ou quoi, bah moi je vous conseille celui-ci. Je trouve qu'il est complet.
Il y a tout, il y a pour faire les pâtes, il y a pour faire de la viande, il y a pour faire des jus, il y a pour faire du pain, de la pâte à pizza. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, c'est exactement ça, il y en a pour tous les goûts. Donc voilà mes amis, mon petit déballage sans carton est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai pu vous convaincre par rapport à mon petit baby robot Continental Edison. Si vous passez par là, Continental Edison, j'aimerais bien un petit partenariat là pour. J'essaye tous vos produits, moi je dis pas non. La fille qui gratte. Bref, il tape mon délire toute seule. Donc voilà les amis, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!